Connaissez-vous en parler des différentes femmes? Les putes, les bouclées, les djangjous. Dès les femmes au grand cœur. Voilà, on va parler d'elles aujourd'hui. Côte d'Ivoire est risqué. On va parler de ça un peu. Kouya, non, c'est pas un bijou franc-maçonnique, hein. Connaissez-vous, on parlait des filles, les poclés, les putes, les prostituées, les... Voilà, il y a quatre groupes de femmes. On va parler de ça aujourd'hui. Donc, connaissez-vous. Connaissez-vous en parler des différents? Les putes, les poclés, les prostituées et les autres femmes. Voilà, donc on va parler de ça. Voilà, connaissez-vous le sujet de ce soir-là aussi, hein? Il faut prévenir les mineurs que quitter. Et ceux qui ont moins de 18 ans n'ont qu'à quitter là. Ne vous connaissez pas. Je veux que les majeurs interdits au moins de 18 ans. Lui qui sait qu'il peut déjà faire les affaires, qui se connaissent. Lui qui sait que, ou celle qui sait que, il ne peut pas, ou elle ne peut pas encore faire les affaires, déconnectez-vous de grâce. Parce qu'aujourd'hui, on va parler des putes, des prostituées, des bocrées. Voilà, c'est des femmes qui ont, entre parenthèses, le grand C, les femmes au grand cœur. C'est de ça que nous allons parler. Donc, connectez-vous. Dès que la chanson finit, on commence. Dès que la chanson finit, nous commençons. Il faut gérer. Dès que ça finit, on commence, mes frères. Donc, tous en ligne, partagez la vidéo, partagez-la dès maintenant. Pour que chacun puisse poser ses questions. Voilà, partagez-la. Voilà, donc bonsoir à tous et à toutes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable Gégégé complet, tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Alors, nous venons devant à nouveau cette caméra pour parler des femmes qui résident en Côte d'Ivoire. Je parle des filles ivoiriennes, qu'elles soient étrangères, ivoiriennes, n'importe quelle femme qui vit en Côte d'Ivoire, mes frères, faites très attention. Je ne suis pas là pour dénigrer, mais je suis là pour dire la vérité. Elle fait mal, mais acceptez cela. Toutes les filles qui vivent en Côte d'Ivoire, voilà ce qu'elles sont. Il y a quatre catégories de femmes en Côte d'Ivoire. Et je vais développer ça. Quelles sont ces quatre catégories? D'abord, nous avons les bouclées. Nous avons les putes. Nous avons les prostituées. Et nous avons les femmes au grand cœur. Et donc, je vais détailler. C'est quoi une femme bouclée? C'est quoi une pute? C'est quoi une prostituée? C'est quoi une femme au grand cœur? Alors, écoutez, demandez, ne gagnez pas. Nettoyez vos oreilles et écoutez l'incontournable guerrier complet. Nous voilà encore, on commence. En Côte d'Ivoire, quand vous partez, il y a des endroits spécifiques, c'est-à-dire dans les rues, où on sait qu'il y a des filles qui sont assises là spécialement pour se vendre. Elles se vendent dans ces endroits-là. Même souvent, elles sont dans les relais ou bien elles sont au dehors. Par exemple, au grand carrefour de Kumasi, au petit marché de Monekle, à Makori,
Quand vous voyez le grand marché de Macquarie, juste le grand marché est devant, derrière vous, il y a le petit marché de Molekle. Je pense que Alassane a déjà enlevé ce marché pour faire passer le pont qui quitte à Macquarie pour Cocody. Mais avant, c'était leur dépotoir. Les filles, on les appelle les prostituées. Elles se prostituent. Donc, elles s'asseyent là pour se prostituer. Vous comprenez? Ce sont des filles qui se vendent. Avec 500 francs, tu enlèves ta part. Même au dehors, tu lui fais l'amour là où tu l'as trouvé. S'il y a une table qui est allongée, tu dis couche-toi, maman. Elle se couche, elle s'écarte. Tu mets là-dedans, ça fait bon. Quand tu mets là-dedans, tu finis, tu lui donnes ses 500 francs. Excusez-moi, la vidéo est vraiment vulgaire, mais il faudrait que j'explique ça aux gens. Et tu la libères. Donc, ces gens de filles, on les appelle les prostituées. Vous comprenez? Les prostituées. Les prostituées, ce sont ces gens de filles-là. Vous comprenez? Donc, ce sont des filles qui ne veulent pas que tu les envoies au restaurant. Non, non, non. Elles n'ont pas besoin du restaurant. Tu la trouves là, sur place. Elle-même, elle est là pour les affaires. Tu lui donnes 500 francs ou bien 1000 francs. Tu la chicotes propre. Tu la chicotes et puis c'est propre. Donc, ces filles-là, on les appelle les prostituées. Elles font la prostitution. C'est leur métier. Elles sont là. C'est de ça qu'elles vivent. C'est de ça qu'elle vit. Donc, il ne faut pas prendre une telle femme pour la faire de ta femme. Est-ce que vous comprenez? Une telle femme pour la faire de ta femme, elle ne peut jamais changer parce que, étant chez toi à la maison, elle va toujours sortir pour se faire niquer proprement pour avoir de l'argent. Parce que l'argent que tu vas lui donner, ça ne lui va pas la suffire. Donc, il ne faut pas prendre une prostituée remplie d'esprit de prostitution. Il ne faut pas la prendre pour la mettre à la maison parce qu'elle ne pourra jamais changer. Ça, c'est la première catégorie de femmes. Maintenant, il y a des femmes qu'on appelle, hein, des femmes qu'on appelle des moquerées. À Bigain risqué, même toute la Côte d'Ivoire est risquée. Il y a des moquerées à Côte d'Ivoire. C'est quoi une moquerée? Une fille qu'on appelle moquerée. Une fille moquerée, c'est une fille. Hein, qui se balade, qui ne va pas dans un bon endroit, qui ne va pas dans un endroit déterminé pour attendre les mecs pour qu'on lui donne au moins 500 pour lui faire l'amour sur place ou l'amener à la maison. Non, les moquerées sont différentes. Ce sont des filles qui se baladent partout en Côte d'Ivoire, même à Bigan. Elles sont tantôt à Yopougon, tantôt à Macquarie, tantôt à Trachivit, tantôt à Poboué, tantôt à Cocody, tantôt au Plateau, tantôt à Tricot, à Vridi, tantôt à Poboué, n'importe où, où vous pouvez connaître. Souvent même, elles quittent même la capitale pour aller ailleurs. Ce sont des filles, hein, les moquerées là, ce sont des filles. Dès que tu payes pizza pour elles, mon frère, tu vas voir la couleur de son caleçon, c'est propre. Elles, ce sont, ça dépend de la commune là où elles vivent, ces filles-là. Parce que les moquerées fonctionnent à travers les communes. Si c'est à Yopougon, mon frère, si c'est à Yopougon, tu l'as attrapé là. Il faut payer poulet à la braise. Dès que tu payes poulet à la braise, ta nuit est claire. Ça, c'est une moquerée. Parce que dès lors que tu la dragues, et puis elle dit, je vais manger poulet à la braise. C'est une moquerée. Il ne faut pas prendre celle-là pour dire c'est ta femme. Non, non, non. Elle est moquerée immédiatement. Voilà comment vous pouvez reconnaître les filles qui sont moquerées, les filles qui sont prostituées, les filles qui sont des putes. Vous comprenez? Donc, une fille moquerée, c'est une fille qui dépend, hein, de l'endroit où elle vit, où elle habite, de la commune où tu l'attrapes. Si tu l'attrapes à Yopougon, et que ta première drague, elle te parle de poulet à la braise, mon frère, c'est une moquerée. Il faut t'attendre à ça. Après le poulet à la braise, il faut savoir que tu vas manger ça. Tu vas la déguster ce même jour. Alors, si c'est à Macquarie, si c'est à Macquarie, souvent, elle peut te demander poisson à la braise, ou bien elle peut te dire, elle veut manger pizza, ou bien elle veut manger je ne sais pas quoi. Là, c'est une moquerie. Si c'est à Cocody, elle va te parler de aloko. Aloko avec voilà, les œufs et tout cela. Là, c'est une moquerie. Si c'est à Bobo, elle va te dire, je vais manger garba. Après avoir fini de manger le garba, tu vas enlever le kariba, la culotte d'une fille, hein, en bonne langue. Nous, si on appelle ça le kariba. Kariba. Voilà. Donc, après avoir fini de déguster ce qu'elle te demande,
tu vas enlever son calibre proprement et tu vas souffler. Voilà, tu vas vérifier là-dedans, souffler son bois. Voilà. Quand tu vas finir d'enlever le calibre, tu vas souffler son bois. Et puis propre. Si c'est sec, combien, si c'est frais. Voilà. Donc vous voyez, c'est tellement clair. Mais ça, on les appelle les bâclés. Ce sont les filles qui sont là. Elles, ça ne leur coûte pas cher. Elles veulent manger. Elles veulent boire. Tu payes une bouteille de bière. Non, ta nuit est garantie. Tu vas manger ça. Tu vas déguster. Tu vas enlever le calibre. Tu vas regarder à l'intérieur si c'est frais ou bien si c'est sec. Alors, si c'est lourd, tu vas vérifier. Ça, on appelle ça, hein, les filles qu'on appelle, qui sont dans la catégorie des bâclés. Alors, il y a maintenant des putes. Des putes. Des putes. Il y a des... Les filles putes. Vous savez comment faire pour reconnaître des filles putes? Hein? Les putes. Une fille pute, ce sont des femmes. Vraiment, le pays souffre. Hein? Même il y a des femmes qui travaillent, qui sont des directrices des sociétés, mais elles sont des putes. Elles sont des vraies putes. Est-ce que vous savez ça? Elles travaillent, vous laissez. Même à la RTI, il y a beaucoup de femmes qui travaillent. Ce sont des femmes, tantôt elles sont mariées, tantôt elles ne sont pas mariées. Mais je vais prendre du côté marié d'abord, je vais développer. Un côté non marié, je vais développer. Les putes professionnelles, ce sont des femmes qui sont mariées, qui vivent avec leur mari, qui ont même des enfants avec leur homme, qui sont là, mais comme la bite de leur mari ne leur suffit pas, comme ce que leur mari leur donne ne leur suffit pas, ce sont des femmes qui passent au sous-sol pour aller voir encore d'autres mecs. Elle seule, elle a trois gars. 4 gars, 5 gars, mais elle fait semblant de vivre avec le monsieur. Ça, c'est une pute professionnelle. C'est une pute professionnelle. Mais là, il y a des putes non professionnelles. Parce que l'histoire des putes s'est divisée en deux. Il y a des putes non professionnelles non mariées. Les putes professionnelles mariées, voilà leur cas. Donc, elles sont avec leur monsieur, leur mari. Elles ont encore des copains ailleurs. Son petit gars, son petit Keiwa qui est là, qui geste à côté. Ou bien, elle est là, elle est son homme, elle sort avec un ministre, elle sort même peut-être avec un président, elle sort avec un maire, ou bien même un petit bouton, ou bien même elle sort avec quelqu'un même qui n'est pas dans ce domaine, un petit gars du quartier, mais qui a un gros en bas, qui fait proprement son travail sur le lit. Donc voilà, donc ce sont les putains professionnels. Elles travaillent, quand vous les voyez, matin, vous voyez, elles sont dans le talon, même souvent même cravatées. Elles font concours, elles, les hommes, elles se mettent en baise. Mais mes frères, l'apparence trompe. Elles se mettent en baise, mais en réalité, elles font des bêtises. On les appelle les putes professionnelles. Voilà. Maintenant, il y a des putes non professionnelles. Ce sont des filles, quand vous partez dans les boîtes de nuit, dans les bars, elles sont là-bas avec leurs petites qui sont en train de danser sur les bas de fer. Elles font les grimaces. Quand tu viens seulement, elles te font les clins d'œil. Et dès que tu regardes, elles disent, elles font leurs doigts là comme ça. C'est-à-dire, t'appelles. Il faut venir, ça gratte en bas. Donc, il faut venir vérifier. N'oublie pas les gnagnis. Voilà. Kouya va me dire, il dit gnagnis. Donc, vous voyez, elles sont sur les bas de fer. Tantôt, elles traînent dans les boîtes de nuit, elles traînent dans les bars, même dans les maquis. Les putes non professionnelles, elles traînent là-bas. Il leur suffit de leur faire clair d'œil, elles viennent boire avec toi. Quand tu dis, mais tu veux boire quelle boisson, elle dit, je ne suis pas là pour de l'alcool. Je suis là pour que tu puisses me satisfaire, on va se libérer. Alors, et malheureusement, hein, en Côte d'Ivoire là-bas, quand on voit qu'il y a une boîte de nuit, ou bien un bar, ou bien une cave, ou un maquis, non loin là, dans les environs, il y a toujours un hôtel quelque part. Même si ce n'est pas un hôtel 5 étoiles ou 3 étoiles ou 4 étoiles, il y a une étoile pour, je dis, il y a un hôtel pour les pauvres. Vous comprenez? Donc, quand tu l'attrapes là-bas comme ça, au maquis, ou dans la cave, ou dans la boîte de nuit, ou bien dans le bar, quand tu l'attrapes, mon frère,
Hôtel là, on va te dire, mais il faut payer 1 500 ou bien 3 000 francs. Tu dis, ma soeur, allons, on fait même 3 heures. Là, comme ça, dans les 3 heures, je peux faire 2 coups. Voilà, parce qu'il y a des gens, leur coup dur. Hein. Voilà, tu peux faire un coup, tu es dans un coup, 1 heure de temps, sueur coule. Tu n'as même pas encore éjaculé. Donc, au moins 3 heures, 2 coups, ça suffit. Donc, tu la mets à l'aise. Et tu la libères. Elle n'est pas encore dans ce même maquis, ou bien dans cette même boîte, ou bien dans ce même bar, ou dans ce même maquis, ou bien dans cette même cave. Donc, ce sont les putes non professionnelles qui décident même d'ailleurs d'avoir leur copain, mais en dehors de leur copain, il y a un copain qui va payer mèche, il y a un copain qui va payer rouge à lèvres, il y a un copain qui va payer vernis, il y a un copain qui va payer ses habits, il y a un copain. Qu'elle va blaguer, voilà, elle va blaguer ses copains pour dire mon loyer et tout cela. Et il y a encore, parmi les putes là, il y a des putes, j'ai cité des putes professionnelles, des putes non professionnelles et des putes sous, hein, des putes inconscientes. Non, je ne vais pas citer des putes inconscientes. Il y a des putes très, très, très conscientes. Et ces putes-là, elles n'aiment pas se marier. Elles aiment. Non, non, non. Elles travaillent, souvent même elles travaillent, mais elles n'aiment pas se marier. Les putes professionnelles, ce sont des putes qui vivent, qui acceptent de faire mariage à elles, hein, monsieur, qui ont des enfants, tout. Et depuis là, elles trompent leur mari. Ça, ce sont les putes professionnelles. Elles sont reconnues professionnellement. Elles, on sait que voilà, ce sont des gens qui sont indépendants et responsables, ces putes-là. Donc, on les appelle les putes professionnelles. Mais là, les putes qui ne sont pas professionnelles, j'ai cité ça. Mais là, les putes conscientes, très très conscientes, elles ont une conscience très élevée, très très élevée, je vous le dis. Elles n'acceptent pas de se marier. Ce sont des filles qui aiment louer leur maison seule. Souvent même, elles vivent avec leurs enfants seules dans leur appartement. Elles n'aiment pas vivre avec quelqu'un. Elles décident de vivre seules, toutes seules, je vous le dis, avec leurs enfants. Voilà, ce sont des filles qui ont des copains, voilà, elles ont un copain qui dit, oh bon, ça c'est mon copain. Mais en dehors de ce copain, elle aussi, peut-être, elle a même 6 copains, 10 copains au dehors. Il y a un copain qui va payer l'eau, il y a un copain qui va payer courant, il y a un copain qui va payer boucle d'oreille, il y a un copain qui va payer rouge à lèvres, il y a un copain qui va payer les fossiles, il y a un copain qui va payer pommade, produit pour pouvoir se cacher parce qu'elles aiment bien le teint clair. Vous voyez, donc ce sont des putes très conscientes. Et en même temps, la journée, elles s'en vont travailler. Ah voilà, donc ce sont des putes très très conscientes. Donc il y a 3 catégories de putes. Il y a les pauvres, il y a les prostituées, vous voyez. Maintenant, les femmes au grand cœur, au grand C, ce sont des filles, ce sont nos mamans. Nos mamans sont des femmes au grand cœur. C'est-à-dire, les femmes, toutes les filles qui sont nées, hein, en dehors de l'année 2000, 99-2000, je ne parle pas de ces femmes-là. Ces femmes-là, elles sont dans le groupe des pauvres. Mais celles qui sont nées avant 95, avant 93, ce sont des femmes au grand cœur. Et ces femmes-là, si tu as la chance et que tu as eu une fille, hein, qui est née dans les années, à partir des années 50, ça, ce sont nos mamans, hein, les années 50, vous voyez, voilà, ou bien à partir des années 80, 86, 87, 83, voilà, 80, 90, 80, jusqu'à 93, ça se limite là. Les filles qui sont nées à partir de 93 jusqu'au décès là, ce sont des filles au grand cœur. Ce sont des filles, parmi ces filles là, tu peux gagner une bonne femme, tu peux gagner une bonne fille, voilà, qui est tellement, tellement amoureuse et qui prend soin de son mec, qui ne veut pas tromper son mec, qui est honnête, sincère, fidèle, voilà, dans son engagement de couple. Ça, ce sont des filles à respecter. Mais à partir de 94, non, 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 il n'y a plus une bonne femme là-bas. Ça, ce sont des déchets sur le bas. Ces filles-là, elles sont dans les différents groupes de femmes qui font des bêtises que j'ai citées là. Elles sont là-dedans. Elles sont là-dedans. Voilà. Maintenant, je vais parler aussi des petites filles parce que, en même temps que les idées viennent, les petites filles qui viennent de pousser, les papillons, les deux papillons sur la poitrine,
Quand je dis les deux papillons, c'est-à-dire leurs deux coups de poing, j'appelle ça les deux papillons volants, parce que ça, moi, je cherchais la route. Quand on met le soutien, ça cherche toujours un petit trou pour pouvoir faire sortir la tête pour dire oui. Donc, les deux papillons. Les filles qui commencent à voir les deux papillons sur la poitrine, ce sont des petites filles. Elles sont au début, elles sont sincères, elles sont honnêtes. Elles sont comme les femmes qui naissent à partir de 93 ans jusqu'en bas. Mais après avoir fini de goûter, ce sont des petites filles qui ont au moins 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, qui sont avec des vieux. Des vieilles personnes de 70 ans, de 50 ans, de 45 ans, elles aiment bien ça parce que elles pensent que c'est bien. Elles pensent que c'est bien parce que leur début, elles veulent goûter. Elles veulent goûter. Hein? Elles veulent goûter. On appelle ça le baoji. Le baoji, ça veut dire la bite. Voilà, moi j'appelle ça le baoji. Le baoji. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le nom baoji, voilà, aujourd'hui enregistrer ça. La bite s'appelle le baoji. Maintenant, pour la femme, hein, le sexe féminin s'appelle sépétion. Sépétion, vous comprenez? Ça s'appelle sépétion. Donc, ces filles qui commencent à pousser les papillons sur les poitrines, qu'elles veulent goûter, quand les sépétions veulent manger pour la première fois, le sépétion veut goûter le baoji le plus vieux, le vieux baoji. Donc, elles préfèrent aller chez les mecs. Elles veulent pas, les mecs ont de la même promotion. Hein. Elles cherchent les vieux bas, les vieilles personnes. Qu'elles goûtent là-bas, non, c'est fini. Elles aussi, dès qu'elles finissent de goûter là-bas, au début, 1 à 2 ans, elles sont fidèles. Mais après les 1 à 2 ans, quand leurs yeux s'ouvrent, c'est fini. Elles sont aussi placées dans l'autre groupe de filles. Vous voyez, donc c'est malheureux. Quand c'est petit. Mais là, il y a aussi des vieilles mères qui sont les vraies nyanis. Les vieilles mères. Vous les voyez, elles sont dans les quarantaines, 45 ans, même 50 ans. 50 ans. Mais ces vieilles mères-là, elles n'aiment pas leur catégorie. Ça, elles n'aiment pas leur catégorie. Je peux appeler. Hein, ce groupe de femmes, les femmes, les femmes à l'amour raté, je peux les appeler les femmes à l'amour raté. Ce sont des femmes, elles n'aiment pas leur promotion. Parce que vous voyez qu'elles sont vieilles, elles sont dans les 50, 45, 47, 50 ans, 60 ans même. Il y a d'autres même, elles ont 60 ans, elles ne veulent pas vieillir. Et ces filles, parce que ces femmes, vous savez, quand une vieille femme fait amour avec un jeune, elle ne vieillit pas parce que le jeune a de l'énergie dans le corps. L'énergie, le garçon, un jeune qui fait l'amour avec une vieille femme, la vieille femme ne vieillit pas parce que le jeune transmet son énergie à la femme. Donc il y a beaucoup de femmes qui ont compris cela. Elles ont compris le système. Elles savent que faire amour avec un fiston, un petit pompier, elles ne vont pas vieillir. Donc, elles préfèrent laisser les woodies de leur âge. Donc, elles descendent. Elles cherchent les petits. Voilà. Au moins, elle a 50 ans. Elles cherchent un mec de 25 ans. Et pour mieux pilonner, on appelle ça le pilonnage. Voilà. Faire l'amour, faire le sexe, on appelle ça le pilonnage. Donc, il faut pilonner. Pilonne. Il faut pilonner. Parce que le baoji, quand ça entre dans le sépétion, ça pilonne, ça joue pas mes frères et sœurs. Ça pilonne, il faut clouer là-dedans. Donc, on appelle ça, à partir d'aujourd'hui, l'amour, on appelle ça le pilonnage. Le pilonnage, voilà. L'homme au grand pilonneur. Donc, quand quelqu'un pilonne trop, on l'appelle le grand pilonneur. Je vous donne des mots ce soir, vous comprenez? Donc, voici ces catégories de femmes. Et il y a aussi des petits. Il y a aussi des jeunes hommes qui adorent les nyanis. Elles adorent les nyanis. Elles aiment bien arroser les nyanis. Elles leur baoji. Elles adorent arroser les nyanis. Parce que quand elles sont entre les deux jambes d'une femme nyanis, ils se sentent heureux. Ils se sentent vraiment. Je ne sais pas ce qu'ils ressentent, mais chez eux, ils sont dans une autre planète. Ils n'aiment pas leur promotion. Ils sont des petits. Hein? Mais ils n'aiment pas la promotion, ils aiment les vieilles mères, les vrais gnagnis, pour débroussailler.
Parce qu'il faut débroussailler d'abord le sépulture. Quand le sépulture, souvent, il y a des femmes qui ne se rasent pas. Donc, quand le sépulture, quand il y a assez de trucs d'herbe autour, il faut débroussailler d'abord. Et donc, il y a aussi certains baoji qui savent débroussailler et en même temps faire le pilonnage. Mais si tu sais que, si tu sais que tu n'as pas débroussaillé avant de faire le pilonnage et que ça va te blesser, si les herbes doivent te blesser, mon frère, il ne faut pas pilonner d'abord. Il faut débroussailler, ça va être dingue. Il faut prendre ça. Ce sont des lames qui sont très, très tranchantes. Hein. Les dents. Tu peux débroussailler les dents. Nettoyer d'abord la langue avant de faire le pilonnage. Est-ce que la leçon que je vous ai transmise ce soir, est-ce que c'est bien rentré? Si c'est rentré, dites-moi oui. Vous me faites pleurer, vous là. Vous êtes mauvais. Côte de broussaillage. Crache tout le père. Prêche, prêche. Et le professeur. Donc, les filles, il y a des filles qui sont là qui me regardent. Elles se reconnaissent là-dedans. Hein? Il y a beaucoup de filles qui sont branchées comme ça. Leurs yeux brillent, on dirait un Normand surpris. Mes soeurs, ce que je vous dis, c'est la vérité. Ça, c'est une vidéo de filles. C'est une vidéo de filles. Vous aimez trop ça. Yayasé, Amoula, aimer un seul homme. Aimer un seul homme, c'est pas parce que ton homme a fait des bêtises et que bon, peut-être, voilà, il a fait un faux geste, voilà. Ou bien, voilà, une petite erreur, quand tu vas défier ton mari, tu m'as trompé, je vais te tromper, tu m'as fait... Arrêtez-moi ça, les filles, arrêtez-moi ça. Une femme, une vraie femme, c'est celle qui se bat pour son homme, c'est celle qui s'est pardonnée, c'est celle qui fait tout pour encadrer son homme. Vous comprenez? Si tu fuis un homme parce qu'il t'a trompé, tu le fuis pour un autre homme, mais tu vas fuir tous les hommes du monde, hein, parce que aucun homme n'est parfait. Vous comprenez? Aucun homme n'est parfait. Elles sont la mère. Elles ne peuvent pas parler qu'elles parlent, mon frère. Donc les filles, elles sont là, elles regardent, elles ne peuvent même pas commenter. Donc arrêtez ça. Vous comprenez? Donc votre histoire de pute. Pitoyable. Et quand les putes, on l'appelle les pitoyables. Arrêtez ça, les filles. Vos mamans, là, elles n'ont pas fait ça. Les anciennes mamans, là, elles n'ont pas fait ça. Hein. Les mamans, elles n'ont pas fait ça. Aujourd'hui, les petites filles, à partir de trucs comme un an jusqu'à arriver, à partir de 30 ans, dans les trentaines, elles sont dans les pites. Arrêtez-moi ça quand même. Arrêtez-moi ça. Tellement d'autres ont fait pute jusqu'à on les a pilonnés, jusqu'à tu vois entre les deux jambes. Mais ça changeait de couleur. C'est multicolore. Tellement le baoji a pilonné. Tellement le baoji a craché du venin. Le venin noir. On n'a pas dit le venin blanc. Les filles, est-ce que vous vous reconnaissez? Tellement il y a d'autres filles, à cause de pitoyant, elles ont sucé le baoji jusqu'à leurs lèvres là deviennent rouges. On dirait rouge à lèvres. Elles n'ont même pas mis rouge à lèvres. Ça changeait de couleur. Vraiment, les filles, yayasé. Merci, Maïka Blou. Merci. Donc, les petites filles, moi, tout ce que je vais dire aux gens qui me regardent aujourd'hui, mon frère, si tu ne vis pas en Côte d'Ivoire, et que tu as l'aventure, là où tu es, si tu croises une fille qui te semble bien, parfaite, cool, mon frère, fais ta vie avec elle. Il ne faut pas aller prendre une pute ou prostituée ou concrète, ou bien pute très, très, très consciente, ou une pute professionnelle, ou bien une pute au bassin, ou bien une vieille mère, ou bien une vieille mère hein, à un amour raté, tu vas la soulever au pays là-bas, coucou, 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 pour amener ça là où tu vis. Non, mon frère, elle va enlever ça dans tes yeux. Elle va enlever ça parce qu'elle-même, elle dort là-dedans. C'est dans là-dedans, elle mange, c'est là-dedans, elle se réveille, c'est là-dedans, elle se couche. Elle se brosse. Hein? C'est là-dedans, même elle chie. Tu vas la soulever. Elle-même, là, c'est, elle irait jusqu'à son caliban. Quand je dis le caliban,
Ça veut dire le caleçon. Ou bien la culotte. Donc moi j'appelle ça le caribat. Vous, je vous donne des noms. Elle est irée. Jusqu'à son caribat est irée. C'est toi qui vas soulever ça pour amener ça ici en Europe, en Amérique, en Russie, en Chine, mon frère. Ou bien il n'y a plus de femmes noires en Amérique là-bas. Tu as parti chercher femme à Bigan. Hein? Mais dès lors qu'elle va arriver en Amérique, elle va voir que non, toi tu es noir. Et que elle, elle veut maintenant goûter fesses de blanc. Fesses de blanc. Hein? Elle veut maintenant sentir fesses de blanc. Voilà ce que c'est que les filles de la Côte d'Ivoire. Elles aiment bien ça. Mon frère, même si c'est si c'était ta copine, et que tu es burkinabé, malien, ghanéen, libérien, togolais, béninois, je ne sais pas, encore nigérien. Et que ta copine allait se chercher en Côte d'Ivoire, mon frère, il faut l'abandonner. Laisse-la en même temps. Parce qu'elle-même, une fois là-bas, elle va apprendre des choses que toi-même, tu ne maîtrises pas. Elle va enlever ça dans tes yeux. Il ne faut jamais prendre une femme vivante en Côte d'Ivoire. Jamais. Il ne faut jamais la prendre pour l'amener. Si tu es en Europe, mon frère, en Europe ici, il y a des filles qui sont tellement noires, qui sont versées niéquetées. Parmi elles, choisis une. Choisis une. C'est pas toi qui as payé son billet d'avion pour quitter en Afrique pour venir. C'est pas toi qui as payé. C'est pas elle aussi qui a payé. Si vous vous croisez ici, vous allez vous aimer et tout. Vous savez pourquoi vous vous êtes mis ensemble. Mais une fille que tu dépenses, tu payes billet d'avion, visa, même dans business, ceux même qui vont te donner le visa, ils bouffent l'argent. Et tout ça, tu souffres. Hey, mon frère, tu vas l'amener, c'est là, elle va connaître loin que toi. Elle va dire, j'ai mon droit, je connais mes droits. C'est là, elle va te montrer qu'est-ce que c'est que le droit. C'est là, elle va te montrer sa vraie valeur. C'est là, elle va te dire, qu'est-ce que quand tu me regardes, tu te regardes, on se ressemble. Mon frère, pour ne pas que pour ne pas que tu souffres, pour ne pas que tu regrettes, il faut laisser ces gens de filles au pays. Laisse-les là-bas. Laisse-les là-bas, c'est leur métier, non qu'à faire. Peut-être si tu arrives là-bas que tu veux... Tu veux cracher un peu de venin blanc, mon frère, tu vas attraper. C'est leur métier. Oh. Elles sont yékédés, c'est leur métier. Tu glisses. C'est pas parce que tu es benguiste ou bien américain que tu as déballé le pactole. Hein. Son prix, tu donnes son prix de la manière. Tous les gens qui vivent à Bigan, ceux qui dépensent pour clouer ça là, pour chicoter ça, pour pilonner ça, c'est ça aussi qu'il faut dépenser, mon frère. Si sa nuit c'est 5 000, mais tu lui donnes ces 5 000, tu pilonnes toute la nuit. Elle ne peut pas dormir. Elle a venu, tu as payé. Donc, il n'y a pas histoire de sommeil. Toute la nuit, vous allez faire veiller. Ah oui, oui, oui. Ça doit être propre. Elle ne doit même pas dormir. Peut-être qu'elle va quitter chez toi, elle va aller dormir chez elle. Mais toute la nuit, si c'est 10 coups, tu lui donnes ces 10 coups propres. 10 coups en train de pilonner ça. Elle va avoir les yeux ouverts. Et quand elle va finir d'avoir les yeux ouverts, elle va se dresser comme ça. Chicotez-moi ça, mes frères. Les hommes, il n'y a pas son deux. On a une seule face. Mais les femmes là, mon frère, désormais, je vais prier. À nous, c'est mieux. C'est cool. Même les femmes qui disent, mon pasteur va, mon frère, si ta femme, c'est ça, je dis, il y a des putes professionnelles. Ce sont des femmes qui ont leur mari. Mais histoire de Dieu a pris tellement leur tête. On leur demande de sucer la bite, zaka zaka. Et puis, elles sont chaudes. Je vais vous montrer une femme qui suçait une bite. Elle suçait la bite, je ne sais pas. Elle suçait une bite interdite au moins de 18 ans. Hein. Vous comprenez? Interdite au moins de 18 ans. Voilà. Donc, interdite au moins de 18 ans. Voilà. Regardez-moi ça, hein. Un pasteur qui doit délivrer femme de quelqu'un. Ah, regardez-moi. Voilà, Ayua. Voilà, Jesus Christ. Voilà. Voilà. Donc là, c'est une pute professionnelle. Vous voyez? Donc, ceux qui laissent leur femme, parce que c'est ma femme, elle est responsable. Elle travaille, non, mon frère. Les responsables, elles sont des putes professionnelles. Elles vont aller sucer les bites des pasteurs.
Elles-mêmes, elles aiment bien ça, elles aiment ça. Mais elles vont dire Dieu, Dieu, et puis elles vont aller sucer ça proprement. Pour dire Dieu n'a qu'à les bénir pour avoir encore un bon contrat dans leur domaine. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle les putes professionnelles. Vous voyez, un autre jour, on fera des vidéos sur les mecs. Mais pour le moment, c'est pour les femmes. Donc les femmes, prononcez-vous, il ne sera pas la peine de vous cacher pour regarder. Vous aimez bien ça. Il y a beaucoup de filles qui travaillent, qui sont, elles ont leurs enfants, tout et leur mari, mais elles viennent sucer la bite. Elles adorent ça. Et puis elles vont dire, c'est Dieu. Quand le monsieur, il injecte hein, le liquide, le venin blanc hein, dans ta gorge, Dieu nettoie dans ton ventre, il visite. Le pasteur dit, dans son venin blanc, quand je dis le venin blanc, c'est le sperme. Mes frères, ça c'est une autre appellation. On appelle ça le venin blanc. Le baou qui crache le venin blanc. Et le venin blanc part visiter le ventre de la femme à travers la gorge ou bien même à travers le sépitio. Et ça monte. Le sépitio, c'est le sexe féminin. On appelle ça le sépitio. Donc, le venin blanc, dès lors que le baou qui crache le venin blanc, ça dépend de là où tu vas cracher le venin. Si tu as craché ça par en haut, c'est-à-dire par la voie orale, mais le venin blanc va commencer à visiter hein, la bouche, la gorge et descendre à l'intérieur. Si tu as craché ça par le bas, c'est-à-dire vers le sépulture, ça commence à visiter les différentes lèvres, les deux grandes lèvres, les deux, voilà. Et les deux petites lèvres, et ça part. Le clitoris, ça va visiter tout. Et ça descend à l'intérieur. Ça va visiter, rentrer même dans les intestins. Ça va visiter là-bas. Et quand c'est comme ça, le pasteur dit, je ressens la présence du Saint-Esprit. Vous voyez, ça, on les appelle les putes professionnelles. Voilà ce que les putes sont. Maintenant, toi, avec tout ce qui se passe en Afrique, c'est le sujet qui t'intéresse, qui est là. Ah, voilà une qui se reconnaît. Ma soeur, si je dévoile vos stratégies, désolé, ce n'est pas de ma faute, mais il faudrait qu'on dise ça à nos frères qui ne savent pas. Parce qu'il y a beaucoup qui sont en Europe, en Amérique, qui rêvent d'aller chercher femme au pays. Mon frère, il ne faut pas aller chercher femme au pays. C'est une erreur capitale. Si tu veux amener quelqu'un là, amène peut-être ton neveu, ton frère, ou bien, voilà, ou bien une petite fille. Ta nièce, voilà, ou bien ta fille, ou bien voilà, une petite fille en tout cas qui ne connaît pas la matière, qui ne connaît pas le domaine, toi-même tu vas l'éduquer, voilà, elle va grandir ici pour avoir un bon esprit. Mais une fille qui est déjà grande, qui connaît l'affaire, et quand tu dis c'est ta copine, mon frère, tu vas te faire poignarder. Parce que quand elle va venir ici, vous savez, africaine, les femmes africaines, elles adorent enfants métisses. Ah, wow! Quand elle vient seulement, je vais faire métisse pour amener ça dans ma famille. Une femme qui chante histoire de métis pour amener ça dans la famille, c'est ça là que tu vas prendre au pays pour amener ça ici. Qu'elle va venir là, elle va chercher à faire enfant métis, métis, métis. Et c'est enfant métis qui va gâter votre mariage. Tout ce que tu as dépensé là, tu ne vas rien faire, mon frère. Tu vas pleurer et puis c'est tout. Parce que tu ne peux pas apporter mais tu as apporté mais mon frère. C'est prison directe. Tu ne pourras rien faire. Tu vas dire c'est à moi qui a fait ça et puis quoi? Dis-moi, tu as dépensé combien je vais. Et puis elles ont de ces propos. Dis-moi, tu as dépensé combien elle te rembourse ça. Et c'est son mec maintenant, son nouveau copain blanc là, qui pousse la fille à demander à son ancien mari combien il a dépensé pour la faire venir en Europe. Dis-moi, fais tes calculs, je vais te rembourser ton argent. Je vais te rembourser ton argent. Et puis elles ont de ces prononciations fluentes. Tu sais quoi? Vous voyez? Vous voyez? Elles choquent d'une manière. C'est bizarre. Et puis, pour ne pas que leur famille les gronde, elles vont appeler d'abord leur famille pour gâter dans la tête des membres de sa famille. Pour dire, il me maltraite, il est mauvais, il me tabasse. S'il appelle là-bas, ne l'écoutez pas. Tout ce qu'il va dire, c'est du mensonge. Et les petites filles, elles aiment bien ça. Elles aiment bien ça. Ma soeur. Tu es une pute professionnelle, ou bien tu es une bouclée, ou bien une prostituée. Voilà tout ce que tu es. Tu n'es rien d'autre que ça. Tu n'es rien d'autre que ça. Donc, mes frères et sœurs, je vais laisser la fille d'abord même. Mes frères, chers Africains, chers Ivoiriens, vous qui rêvez de prendre femme en Côte d'Ivoire pour amener ça, non, laissez-la. Laissez-les, les blancs aussi. Blancs,
Toi qui rêves d'aller chercher femme en Côte d'Ivoire, il faut oublier ça. Il faut oublier parce que quand tu vas l'amener là, elle va voir que tu es vieux et que tes reins ne bougent pas et que ton baogi ne crache pas bien et que tu n'arrives pas à la satisfaire au lit. C'est là qu'elle va voir un autre jeune. Vous voyez, pour ne pas que le nom de notre pays soit gâté, je préfère que vous laissez nos sœurs qui sont en Afrique là-bas, précisément en Côte d'Ivoire, laissez-les tranquilles. D'autres vont dire, tu gâtes notre business. Non, je ne suis pas là pour gâter le business des gens. Mais je veux que le nom de notre pays soit élevé. Parce que si vous vous comportez comme ça, les gens vont dire, les Ivoiriennes, elles sont mauvaises. Et puis, si une fille était sérieuse, elle ne peut plus avoir un mec. Parce que votre comportement, il faudrait qu'on dénonce à cela. On dénonce maintenant cela. Et si, de la manière dont vous vous comportez, si une fille ivoirienne vit, même dans n'importe quel pays étranger, ils vont dire, mais tu es même chose comme tes soeurs qui vivent au pays. Donc, pour éviter ça, je préfère dénoncer mes soeurs qui vivent au pays, les filles ivoiriennes, hein, pour que les gens ils sachent que ces filles-là, elles ne sont pas honnêtes, elles ne sont pas sérieuses. Tout ce qu'elles sont, bocré, pute. Prostituées. Voilà tout ce qu'elles sont. Des femmes au grand cœur, il y en a un. 600. On trouve deux femmes au grand cœur. Mon frère, si tu as gagné une telle femme, ok, faut dire merci. Il faut bien t'occuper d'elle. Mais le reste là, non, 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 c'est pas la peine. Rimbouzé, voilà. Mon cher, dis tout non. Elle ment trop, merde, garde leur business, ça fait trop honte. Donc, tous les mecs, cessez d'aller prendre femme en Côte d'Ivoire. Les filles de la Côte d'Ivoire, elles ne sont pas bonnes. Elles sont des putes, des prostituées, des hypocrites. Vous comprenez? Elles ne sont pas bien. Elles viennent pour votre argent. Elles ne sont pas là pour vous, hein? C'est à cause d'argent qu'elles viennent. Si tu faut beau dépenser des millions d'euros, des millions de dollars, tu peux prendre une fille en Côte d'Ivoire dans mon pays. Dès qu'elles viennent ici, elles vont trouver que tu es vieux. C'est là qu'ils vont chercher qui est jeune. Mais pendant que tu dépensais pour aller pour l'envoyer là, elle trouvait que tu étais bien. Elle te blaguait les paroles douces, oh chérie coco, comme ça. Mais dès lors qu'elle met leurs pieds ici, elles connaissent maintenant les droits. J'ai le droit, j'ai le droit. C'est elles qui connaissent maintenant les lois européennes. Et toi, en tant que garçon, tu ne connais rien. Elles vont dire, laisse-moi, est-ce que c'est mariage forcé? Je me marie avec qui je veux. C'est là qu'elles vont aller chercher maintenant les petits. Ou bien elle va aller maintenant chercher son frère ivoirien. Ou bien elle va aller chercher un Camerounais. Parce qu'elles adorent bien les Camerounais. Les filles ivoiriennes là. Ah oui. Mon frère, toi ivoirien, tu vas la déplacer. Elle va venir. Si elle n'a pas pris blanc, elle va prendre Camerounais. Et devant toi, ils vont enlever le kariba. Quand je dis le kariba, c'est la culotte de la femme. Ils vont enlever ça. Il va chauffer ça pour voir si c'est sec ou si c'est frais. Ah oui, il va visiter le sépulture jusqu'en profondeur. Quand je dis le sépulture, c'est le sexe féminin. Donc voici ce que les femmes de chez nous sont. Ce n'est pas dans toute l'Afrique. Je ne sais pas si c'est dans toute l'Afrique, mais dans mon pays, je maîtrise bien la Côte d'Ivoire. Donc voici comment les filles ivoiriennes sont. Alors mon frère, si tu avais un programme d'aller chercher femmes en Côte d'Ivoire, il faut annuler ça. Cherche plutôt une fille qui est ici, en Europe, qu'elle soit noire, qu'elle soit blanche. Et que tu l'aimes, il faut faire ton choix sur elle. Laisse la femme qui est en Côte d'Ivoire. Si c'est là-bas que tu es arrivé là, mon frère, tu vas beaucoup pleurer. On dirait que c'est au nom qu'ils ont mis dans tes yeux. Les larmes vont couler tôt, 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 tôt. Ou bien mate la tombe. Arrête ça. Oublie le programme de prendre femme en Côte d'Ivoire pour amener ça ici en Europe. Jamais oublie ça. Tu trouves, si c'est femme noire, tu cherches là. Il y a plusieurs filles noires ici. Même qu'elles soient ivoiriennes. Si c'est ivoirienne, tu cherches, il y a des ivoiriennes. Si c'est. Comorienne, tu cherches, il y a des Comoriennes. Si c'est Kenyan, si c'est truc, comment on les appelle? Je sais pas. Camerounaise, Ghanéenne, Burkinabé, Malienne, Centrafricaine, je ne sais pas. Je ne sais pas. Congolaise, il y en a. Tous les pays de l'Afrique, il y a des filles, leurs représentantes ici. Donc, si c'est femme noire, tu veux, mon frère, il faut fouiller dans l'Europe, là, tu vas gagner les filles noires. Elles sont noires, elles sont versées ici. Et puis elles sont bien, elles sont sincères. Qu'elles t'aiment là, elles t'aiment. Mais prendre femme en Côte d'Ivoire pour amener ça ici, mon frère, elle-même, elle est déjà ailleurs. Elle est ailleurs même que l'Européen, même le président.
hein, de l'Union européenne, elles ont les yeux ouverts que ces présidents, ceux-mêmes qui dirigent l'Europe, les filles de la Côte d'Ivoire, elles sont très intelligentes que ces gens-là. Donc, oubliez ça. Ça, c'est la cour des grands. Les Ivoiriens sont bêtes, quoi. Tu es en France, en Côte d'Ivoire, tu vas chercher femme. Oui, il y a beaucoup. Il y a beaucoup qui font ça. Il y a beaucoup qui sont cherchés femme en Côte d'Ivoire. Et j'ai laissé ma petite, c'était ma copine, mon frère, ta copine que tu as laissée là-bas, là. Elle-même, là. Elle t'embête. Elle t'embête parce que tu es en Europe. Bébé, tu sais, tu me manques, bébé. Il faut les oublier, histoire de bébé, tu me manques. C'est parce que tu es en Europe, elle veut te rejoindre ici. C'est quand elle va arriver ici, tu vas voir son vrai visage. Si elle encore dit bébé, tu me manques. C'est guerre qui va commencer. C'est guerre. Si tu ne fais pas attention, ta propre maison te fout à la porte. Et puis elles sont remplies en France comme ça. Il y a beaucoup de Noirs qui ont amené leurs filles, surtout les filles ivoiriennes, arrivées en Europe. Elles mettent leurs copains au dehors ou bien leurs maris à la porte. Et puis ces gens-là, ils tombent dans les rues, sous les ponts. Oh, ces gens-là, ils ont des enfants et ces femmes. Mais ces femmes, à cause d'aide, les aides sociales, elles préfèrent mettre leur mari au dehors. Elles n'ont plus d'amour. Elles préfèrent prendre un petit blanc pour venir mousser dans elles. Elles préfèrent prendre un petit Camerounais pour venir la gérer, pironner proprement. Vous voyez, c'est mauvais. C'est mauvais. Je dis les filles ivoiriennes qui sont ici avant, c'est de ça que je parle, je dis elles sont bien. Mais les filles ivoiriennes que vous partez chercher en Côte d'Ivoire pour amener, c'est un danger. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Une femme africaine qui vit déjà en Europe pendant longtemps, ou bien qui est née en Europe, mon frère, et qu'elle est sincère, et qu'elle est intime, c'est que c'est le vrai amour. Elle ne t'aime pas pour histoire de trucs, non. Elle-même, elle est née ici. Ou bien, elle étant petite, elle a grandi ici. Elle a vu plusieurs mecs, elle est venue vers toi, c'est le grand amour. Un grand cœur, femme au grand cœur. Cœur avec un grand C. C'est une femme comme ça. Mais une fille qui vient d'arriver, mon frère, il faut la fuir même. Laisse-la. Ça, c'est danger. Ces gaz toxiques que tu vois devant toi, si tu as pris ça pour te purifier, mon frère, tes intestins vont se découper en petits morceaux et tu vas mourir à petit feu. Ça, il faut laisser ça. Femme ivoirienne grande déjà qui vient en Europe, il faut fuir ça, mon frère. Allez, quitter ici, aller prendre femme en Côte d'Ivoire, il faut fuir ça. Il ne faut jamais faire cette expérience, non. Au lieu de l'emmener, prends ta soeur, mon frère. Prends ton neveu. Prends ta cousine. Tu l'emmènes dans le but de l'aider. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, mais pour dire, tu l'amènes pour l'épouser. Non, 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 oublie ce programme. Prendre une fille en Côte d'Ivoire, amener pour t'y épouser, pour comme épouse, mon frère, il faut oublier ton programme. Mais si tu l'amènes, parce qu'il y a un lien d'amitié qui vous lie, c'est une fille, ce n'est pas ta copine. Tu n'es pas son copain aussi. Mais vous vous connaissez et tu veux l'aider, il n'y a pas de souci. Là, voilà, il n'y a pas de souci. Tu peux l'envoyer, tu peux l'aider. Mais pour dire que tu la prends pour l'épouser, mon frère, il faut la laisser là-bas. Le jour où tu pars là, tu vas te rincer les reins. Et puis, tu te retournes seul. Hein, tu viens quand? Ma soeur, il faut rester là-bas. Reste là-bas. Le jour où je reviens, je vais mousser mes reins. Mais ici en Europe, là, il y a des filles noires. Voilà. Une fille noire que tu croises ici en Europe, qui est venue de son propre gré, ou qui est née ici, qui n'est pas nouvelle. Vous comprenez? Qui est ici étant petite, ou qui est née ici. Mon frère ou ma soeur, si c'est là, elle vient vers toi, ou si tu vas vers elle, et qu'elle accepte, c'est un bon amour. Voilà. Donc, le gars se tue pour te sortir de la merde du pays. Et puis, une fois chez les Blancs, elle fait étalage de son impolitesse modérée. Foutez-moi ça là-dedans. C'est propre, mon frère. Donc, c'est un message que je lance à tous les Africains. Tous les Africains, vous qui souffrez, hein, à cause des chichis de ces filles, vous les prenez, vous faites leur peinture, tôlerie, vernis. Hein, vous payez les hauts talons pour elles. S'il n'y a même pas fesses, vous faites tout pour créer les fesses, pour qu'elles puissent porter au moins couche. Et puis elles font le malin. Elles chantent, mon frère, prends
blagage, il met ça dehors. Parce que si tu ne fais pas ça, et que tu fais erreur de te marier avec elle, elle va te chasser de ta maison. Ah, il faut mettre ça dans la tête. C'est elle-même qui va prendre tes bagages, faire passer ça par la fenêtre en plein hiver. Parce qu'elles aiment bien ça, les filles. Quand il y a l'hiver, c'est là. Elles jettent les bagages des mecs au dehors. Donc, faites tout. Jetez leurs bagages au dehors avant qu'elles le jettent pour vous au dehors. Surtout qu'elles viennent de l'Afrique. Parce qu'elles-mêmes, elles sont dangereuses. Elles sont plus pires que les lions, que les loups, que les ours, que même les panthères, les tigres. Elles sont plus pires. Elles ne respectent pas. C'est maintenant qu'ils savent que non, le blanc, il sait faire amour. Hein? Donc, tu ne savais pas que je savais faire amour. Tu savais que je ne savais pas faire amour et puis tu me laisses, je dépense pour t'amener. Mais là que tu viens, oui, je ne te fais plus bien l'amour. Tu cherches quelqu'un qui va... Voilà, elles sont comme ça. Tout simplement, elles cherchent enfant métis. Voilà ce qui est dans leur tête. Enfant métis, l'argent. Enfant métis, l'argent. Enfant métis, l'argent. Mais ce dernier, tu viens et tu dis non, je ne savais pas que non, tu n'avais pas... Mais c'est lui qui t'a fait sortir de ton petit trouble où tu étais. Tu viens maintenant, tu trouves que non, il n'a pas beaucoup d'argent. C'est là que tu vas chercher maintenant les riches. Non, un homme d'affaires, un directeur de société, mandragué, je vais foutre quoi avec toi. Voilà. Et elle pose certains actes, et après elle regrette. Elle revient, pardonne-moi, ma soeur, pardonne là, c'est fini. Il n'a plus de pardon. Tu as pris la décision de me laisser, tu m'as laissé, laisse tomber en même temps. Revenir encore me demander pardon, basta, je ne veux plus. Il y a d'autres filles qui sont prêtes à faire union avec les mecs qu'elles méritent, vous comprenez? Donc une fille qui fait son malin, qui fait tri, mon frère, il faut la laisser, dégage là. Parce qu'il y a des filles qui sont honnêtes, qui veulent le vrai amour, qui veulent des mecs pour leur vie. Elles n'ont pas besoin de ta richesse, elles ont besoin d'amour, d'affection. Ah oui, de douceur. Elles ont besoin de ça. Elles veulent voir quelqu'un. Quand elles vont dormir le soir, quelqu'un dormir auprès d'elles pour se sentir heureuse. Il y a des filles qui veulent ça. Donc, vous qui êtes là chercher, mais les clients, foutez-moi ces filles à la porte. Foutez-les à la porte. Voilà, tu n'as pas le temps, mon frère. Toutes les femmes en Afrique ne sont pas comme ça. Mon frère, je parle de la Côte d'Ivoire, je ne parle pas de l'Afrique entière. Je dis les femmes ivoiriennes. Quand je parlais au début, j'ai bien situé le pays duquel j'allais parler et duquel je parle en ce moment. Je dis bien la Côte d'Ivoire. Je ne dis pas toutes les femmes africaines. Donc, d'autres femmes qui viennent des autres continents, des autres pays africains, je ne sais pas comment elles se comportent. Comment, elles se comportent vis-à-vis de leurs anciens copains qui se sont connus dans leur enfance et leurs copains sont venus en Europe. Voilà, quand leurs copains les envoient, comment elles se comportent vis-à-vis de ceux-là. Mais je parle de mes soeurs ivoiriennes. Celles-là, il n'y a pas garantie là-dedans. Non. Il faut faire même école, même quoi, tu l'amènes là. Non, elle va mettre poudre de piment ou bien c'est tabac qu'elle va mettre dans tes narines. Elles sont pas... Non, on ne cherche pas histoire où il n'y a pas géographie, mes frères. Vous comprenez? On ne cherche pas philosophie où il n'y a pas de science. Laissez-moi ça, les filles là, laissez-les. Mais ta femme est ivoirienne. Mais est-ce que mon frère, tu comprends? Je dis une femme qui naît ici ou qui grandit ici étant petite, qui approuve que vraiment elle a une bonne affection pour toi et qu'elle a un amour pour toi. Il faut te mettre ensemble, qu'elle soit ivoirienne ou ailleurs, d'ailleurs. Mais les femmes ivoiriennes étant grandes, qui quittent en Côte d'Ivoire, qui viennent ici, c'est un danger, il faut laisser ça. Il ne faut même pas jouer sur ce terrain. Voilà ce que je te dis. Donc, MJO doit, tu comprends maintenant mes propos, ça a été bien clair. Je n'ai pas dit il ne faut pas marier femme ivoirienne vivant en Europe. J'ai dit, une femme ivoirienne, tu peux l'épouser. Dès lors que tu sais que, étant petite, elle est venue en Europe, ou bien elle est née en Europe, tu peux prendre celle-là. Mais les filles ivoiriennes qui quittent au pays, qui viennent ici, étant grandes, leurs yeux sont ouverts. Elles ont déjà fait histoire de pocréa, putia, et puis prostituée.
Mon frère, il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Parce que quand tu vis avec elle, c'est elle-même qui va te faire des chantages. Elle va vouloir monter sur ta tête pour chiller là-bas. Elle va vouloir avoir autorité sur toi. Nien, jamais. Je suis un homme. Femme ne peut pas avoir truc, chanter sur ta tête. Non, non, non. Attendez. On est où là? Tu vas parler, elle va prendre tes bagages en plein hiver, jeter ça truc, par la fenêtre. Vous trouvez ça normal? Et elles ont la facilité de faire ça. Les mères faciles à faire ça. Les filles ivoiriennes, elles sont très très dangereuses. Celles qui sont nées ici, ou bien celles qui sont venues ici, étant petites, elles ont une autre mentalité différente. D'accord? Mes frères et sœurs, mes frères, vous qui voulez épouser les filles de la Côte d'Ivoire, cherchez si cette dernière, elle est née ici, ou elle a grandi ici. Tu peux te mettre ensemble avec elle. Si elle veut de toi, elle va accepter. Si elle ne veut pas de toi, elle va te dire carrément, elle ne veut pas de toi. Si c'est une autre africaine, il faut bien te renseigner parce qu'il paraît que ce n'est pas la Côte d'Ivoire seulement. Donc renseigne-toi bien. Ma soeur, tu es venue en Iran, ça fait combien de temps? Tu te dis, il y a de cela, il y a de cela, 6 ans. Mon frère, ça là, ça c'est volcan que tu vois là. C'est danger que c'est une lionne que tu vois. C'est une tigre. Il faut fuir en même temps. C'est le démon en personne que tu vois là. Il faut fuir. Il faut même pas jouer sur ce terrain. Elle te dit, il y a de cela 10 ans. Faut fuir parce que l'esprit de putia, cochléa et puis prostituée ne sont pas encore quittés dans sa tête. Elle est toujours gamée là-dedans. Voilà. Elle est née ici. Mon frère, je ne suis pas venu pour parler de la vie de ma femme, donc je ne peux pas te répondre sur cette question. Tu es bien pour être président en Côte d'Ivoire, mon frère. Tu es véridique. Donc voici les contournants bien complets. Même vous qui vivez ici, si vos parents choisissent des filles là-bas, pour dire viens marier, viens au pays, tu vas faire mariage pour prendre ta... Il faut refuser, dire à papa ou maman, ou grand frère ou petit frère, ou petite soeur ou grande soeur. Ce n'est pas mon goût. Elle n'a qu'à avoir toutes les beautés, ou bien toutes les beautés du monde. Il faut refuser cette dernière. Parce que si tu la prends pour venir, mon frère, peut-être c'est pas toi ce qui va la mougouer. Parce qu'elle-même, elle a grandi là-dedans. Tu vas rester là, tes amis même vont pomper ça. Ils vont chicoter ça. Ah oui, ils vont arroser ça chaque matin. Tes yeux vont sortir. D'ici, tu vas prendre drap là. Trop tard. Donc, il ne faut même pas accepter. Tes parents te proposent une femme. Non, on a choisi une fille, une jeune petite. Dis, maman, papa, les filles de là-bas, elles sont gâtées. Ici, là, je vais choisir une fille. Je vais choisir une femme ici. Ces femmes noires, tes parents veulent, faut prendre femme noire ici. Qu'elles soient chrétiennes, musulmanes, bouddhistes. Mon frère, il y a toute catégorie de femmes ici qui sont nées ici ou étant petites qui sont venues ici, grandies ici. Donc, il faut faire un choix parmi ces deux catégories de femmes, celles qui sont nées ici ou celles qui ont grandi ici. Voilà les femmes que tu vas. Et avant de choisir, il faut voir si elle a un bon cœur, si elle t'aime réellement, si elle est honnête. Voilà. Et si tu approuves que voilà, c'est ton goût, voilà, elle est mangeable, elle est truc, dégustable, voilà, là, tu peux déguster ça, mon frère. Et fais ta vie avec elle. Donc, les filles ne se sont pas prononcées, elles sont cachées. Je sais que vous me regardez, mais malheureusement, elles se reconnaissent là-dedans. Et malheureusement, vous voyez, quand vous vous baladez dans les boîtes de nuit de Paris, dans les boîtes de nuit de la Belgique, partout, ce sont des filles comme ça là, qui viennent de l'Afrique, précisément même en Côte d'Ivoire. Elles traînent toujours dans les boîtes. C'est leur domaine. Elles cherchent des garçons qui... Oh, pourtant, elles ont leur mari à la maison, ou bien elles ont leur copain. Mais elles sortent, elles se chicotent. Si tout qu'elles travaillent la nuit, non, c'est gâté. Qu'elles travaillent la nuit, c'est gâté. Elle peut même appeler pour dire je suis malade. Toi, le mari, tu penses qu'elle a elle au boulot. Oh, pourtant, elle est en boîte de nuit, en train de se saouler la gueule. Elle boit jusqu'à. Elle s'en va même faire l'amour dans les toilettes avec n'importe qui. Et elles vont ramasser maladie sida là-bas pour venir te donner, toi, le mari. Voilà, c'est malheureux. En plus de cela, tu trompes le monsieur et tu vas ramasser une maladie incurable pour venir donner ça à l'homme. Il va beaucoup, voilà, il est malade, il tombe malade, tu as gâché sa vie. Ce n'est pas bien, raison pour laquelle je vous demande de faire très très attention. Très très attention, mes frères. Dès que ta femme commence à fréquenter les boîtes de nuit, il faut la laisser. Laisse-la.
Laisse-la tomber. Ce n'est pas ta femme. Parce que dans les boîtes de nuit, tout peut arriver quand tu prends un peu, quand tu bois, tu peux faire n'importe quoi. N'importe quoi peut arriver. Et dès lors qu'elle fait n'importe quoi, n'importe qui peut la pénétrer, n'importe qui peut prendre son baoji pour nettoyer le sépiture, arroser le sépiture à l'aide du venin blanc. Et ce venin blanc peut contenir assez de maladies incurables. Et cette même fille, elle va venir te faire l'amour à la maison, te transmettre ces maladies, c'est dangereux. Alors, si tu as ta femme et qu'elle veut sortir, il faut sortir avec elle pour aller dans une boîte. Là, le mari est là, la femme est là. Si un est soulé, l'autre peut soutenir l'autre. Et d'ailleurs, toi, le monsieur, il ne faut pas trop boire. Il faut te contrôler parce que si tu es trop dans ton taïko, elle peut venir chicoter ta femme à ta présence et tu ne vas rien voir. Donc, faites très attention. Une femme qui laisse son mari aller chauffer, il faut la laisser en même temps. Si elle a fait ça deux fois, trois fois, quatre fois, sans te prévenir, étant dans les chauds, laisse-la, ce n'est pas une femme. C'est une pute. Basta. Le mouton broute là où on l'attache. Exactement, Jean le Russe craint, c'est clair. Toi, ta maladie s'agrandit de jour en jour. Diables. Toi, je ne te connais pas, donc je ne peux pas te répondre. C'est clair. Et puis, elle déteste sa capote. Ah oui! Je crois que... Co-arroser le sépétion à l'aide du vénère blanc. Donc, c'était les propos de ce soir de guerre. Bien compris, je vous aime. Vive la Côte d'Ivoire. Vive l'Afrique entière. Voilà, les hommes. Nous, les hommes, on doit être prudents. Soyons prudents. Les filles, arrêtez vos yaïla, arrêtez vos bêtises. Arrêtez vos bêtises. Si vous voulez faire ça, allez-y, faites ça, mais ne donnez pas maladie aux gens. C'est clair. Ne donnez pas maladie aux garçons. Nous ne voulons pas des maladies. On veut vivre longtemps. Donc si toi, tu ne veux pas vivre longtemps et que tu veux faire tes bêtises, va faire ça seul. Mais sache que tu n'auras pas un bon gars. Parce que tous les mecs que tu vas prendre, qui vont savoir, qui vont découvrir la vérité que tu fréquentes ces coins-là, sans leur présence, ma soeur, immédiatement, tu seras radié. Ah oui, non, non, ils vont te chasser. Et tu vas te balader. Tu vas aller encore dans l'église. Le pasteur va dire qu'il faut sucer ça, hein, son baogi pour que voilà, son Dieu visite ton ventre. Et tu vas laper le venin blanc des pasteurs. Et sans résultat, mettez ça dans vos têtes. Ciao, ciao. Donc, citez-moi. Je vous aime. Big up à Kouya Nyepa. Dieu blesse. Malgré tes propos, je te fais un big up. Jean, le Russo Kra, big up. Alassane Mohamed, big up. Mousse Sturm, big up. Mjo Doan, big up. Koulibaly Serge, big up. Daniel Apiatiti. Apiatidi, big up. Bon, il y a assez. Derrick, Bezwinger, big up. Fofana, Chaka, big up. Lisa Matakone, big up. Donc, Sangare, dit premier, big up. Touré, Abiba, big up. Traoré, Daouda, big up. Lako, Soukba, big up. Chino, l'Interpol, Ngata, big up à toi. Moulou, Ali, big up. Voilà, j'ai déjà dit. Alberico Traoré, big up. Ella Oulaya, big up. Renina, la mixeuse, big up. Ake MEPJ, big up. Ahmed Lei Pro Inter, big up à vous. Big up à tous et à tous. Milliardaires en euros, big up à vous. Des échos, le volcan français, big up à tous et à toutes. Voilà, c'était l'incontournable, bien compris.